Salut, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tefo Fred Beat. Aujourd'hui, on va apprendre comment activer le micro pour pouvoir s'enregistrer sur FL Studio. Ok, je vais vous montrer tout de suite et maintenant. Première chose à faire, vous allez dans Options et puis dans Audio Setting. Une fois vous êtes dans Audio Setting, vous partez sur l'onglet Devices pour sélectionner votre carte son. Donc, vous choisissez votre carte son. Si vous voulez vous enregistrer avec un micro dynamique, vous choisissez Audio for All, tout simplement. Donc, ça dépend. Si vous êtes sur un micro plug-in play, c'est Audio for All. Une fois que vous avez déjà choisi votre carte de son, vous venez sur le mixeur, vous sélectionnez n'importe quelle piste, la piste que vous aimeriez enregistrer, faire entrer les voix par là. Par exemple, on va prendre le 5. Vous venez ici là, là où il y a le bouton None, vous cliquez là, vous choisissez votre microphone. Vous allez remarquer que la voix est doublement. Donc, une fois le micro a été choisi, vous sortez, vous venez sur la playlist, vous venez sur le bouton rouge, vous cliquez là, vous venez activer le play. Et puis vous pouvez faire votre chanson, ça peut être un chant. Ben moi je vais juste tout simplement interpréter mon premier son quoi. T'es loin de moi, tu me manques, je ne cesse de penser à toi. T'es loin de moi, je donnerai tout pour te revoir. T'es loin de moi, tu me manques, je ne cesse de penser à toi. T'es loin de moi, je donnerais tout pour te revoir. Une fois que c'est fait, vous arrêtez sur le bouton rouge et vous pouvez réécouter votre enregistrement tranquille. Ok, je crois que vous avez retenu la leçon. Donc, si vous voulez vous enregistrer chez vous, la première chose à faire, c'est de venir ici, Audio Setting. Et puis, vous choisissez, à Option, pardon. Vous choisissez Audio Setting. Dans Audio Setting, vous venez à Devices. Vous choisissez votre carte son. Une fois que la carte son est choisie, vous ressortez. Vous venez au mixeur, vous choisissez n'importe quelle piste. Une fois que la piste est choisie, vous venez sur None et puis vous faites entrer la piste de votre microphone. Une fois c'est fait, vous revenez ici au bouton rouge, vous activez et vous faites play, tout simplement. Une fois que vous avez déjà déclenché sur le bouton rouge, vous pouvez enregistrer autant de fois sans avoir à revenir sur le même bouton rouge. Vous jouez tout simplement avec le bouton play, pause, play, pause. Vous voyez un peu?
Donc c'est un peu ça. On va se faire un petit exemple. Une fois c'est activé ici, vous lancez. L'enregistrement est lancé. J'arrête et je continue directement. Je n'ai plus besoin de relancer à chaque fois. À chaque fois que j'arrête, je continue directement. Donc, vous savez maintenant quoi faire, comment faire pour enregistrer. Si vous avez des idées de tutoriel, n'hésitez pas, proposez un commentaire et je vous répondrai dans les brefs délais, quoi. N'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous, invitez vos amis à aimer. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo tuto sur FL Studio. Peace.